Attends, déjà, on va faire un petit. C'est bon, tu m'as ? Ouais. C'est dans le cadre de. Attends, non, c'est pas bon là, j'ai refait. Confrontation réelle. Dans le cadre de confrontation réelle, donc pour l'école I3E. Attends, je vais te faire gaffe, putain. C'est parti ? Ouais. C'est un abri de clochard. Filme un peu dedans, filme. Ah, ça pue. C'est chaud. Qui chie dehors, quoi. Les gens vous ont crié dessus, non, c'est ça? Eh oui. Je peux même pas aller chier peinard, les gens ils me gueulent dessus. Tu vois des toilettes toi aussi? Comment? Tu vois des toilettes toi aussi? Non. Bah voilà, tu fais comment là? Comment? Je fais comment? Bah, t'es obligé de faire comme vous avez fait, hein, moi je vous comprends. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yvan. Yvan comment? Yvan Le Goff. Et quel âge avez-vous? J'ai 30 ans. Et vous habitez dans cet abri depuis combien de temps? Ça fait 8 mois. Excuse-moi, c'est possible qu'on la fasse là sur le bord, comme ça il y en a tout. Ouais, t'as raison. Ouais, attends, ça vous dérange pas si on se met plutôt devant votre. Ça fait sinon. Sur le cœur. Mais c'est pas correctement. Ouais, mais après si je suis trop bas, je veux pas. C'est bon? On a là. Comment dire, à quoi ressemble en fait une journée pour vous? Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez? Quels sont vos réflexes? Quelles sont les choses que vous devez faire pour survivre en fait, à quoi ressemble votre quotidien? Vous pouvez prendre le micro, ça plus simple. Ce que je fais tous les jours, je me réveille. Le premier truc que je fais, c'est... Bah, je vais essayer de chercher à manger. Faites attention, vous êtes en train d'abîmer le micro là. Ça marche toujours aussi. Vous avez un peu d'argent vous à me donner ou pas là? Non, c'est un truc. C'est enfin, il n'y a pas de financement en fait. On fait ça vraiment pour nous quoi. Ouais, mais ça coûte cher ça. Et le micro et la caméra et tout. Vous avez pas 2 euros que j'aille acheter du pain, je sais pas moi. Bah, peut-être tout à l'heure, oui, on pourra peut-être tout à l'heure aller acheter quelque chose. Je sais pas, vous voulez que tu aies quelque chose toi? Vous avez rien? Non, rien. Désolé. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Qu'est-ce que vous êtes faire? Hein, je nettoie là, je récupère des capsules. Ouais? Pour quoi faire? Il y en a une là d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites quoi là? Quoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous récupérez? Bah on est mardi, les péniches. On est mardi? On est jeudi, monsieur. T'as des trucs, toi, à manger? On a rien. Bah, j'ai que ça. Les dames. Bah, ouais, peut-être. Les dames. On a que ça, mais ouais, c'est con, on aurait dû. On aurait dû prendre à bouffer, hein, peut-être, ouais, mais on n'a pas pensé, désolé. Ouais. Pour du feu, non? Ah, ouais, bah, on fait du feu avec du bois, ouais. Ouais, d'accord, non, mais très bien, bah, de continuer, hein. Bah, merci.
Heureusement que t'es là. Putain. Reste pas. Écartez-vous les gars, écartez-vous. Précaire, mais tu sais pas comment je suis dans ma tête. Peut-être dans ma tête c'est pas du tout précaire par exemple. Tu vois, peut-être que je suis mieux ici que à la place d'avoir un boulot et d'aller à 8h au boulot et de rentrer à 20h au boulot. Parce que c'est ça, toi on les voit quand même les gens quand tu prends le métro le matin, tu les vois la tête qu'ils ont. Même toi, je suis sûr que t'as la même tête que les gens le matin. Tu te dis, quand tu regardes quelqu'un, tu te dis il a l'air malheureux ce mec là, mais la personne qui te regarde elle te dit pareil. Faux ou pas? Moi je trouve que c'est pas un choix d'aller travailler par exemple. Bah tu vois, c'est peut-être pas pour autant que je suis pauvre. Ça passe pas à la télé? Non, ça passe pas à la télé. Ni au cinéma? Non. Enfin, au cinéma, si jamais on fait un chef-d'œuvre, mais je pense pas. Ah, je touche pas. Oula, attention, il y a un coup de vent derrière là. C'est pas grave. C'est du carton et du bois. Ça va s'effondrer, c'est pas. Non? Je le fais tous les jours. Bon. Vous refaites votre abri tous les jours? Ah, j'ai une nouvelle maison tous les jours. Capricorne, avec votre partenaire, vous vous regardez en chien de faïence. Qu'est-ce que c'est que ça, chien de faïence? Et toi, Aurélia, tu dois être... Toi, je te vois bien... Poisson. Si, t'es poisson. Poisson, vous nagez dans le bonheur. Je te vois, t'es rayonnante. François, toi, tu dois être cancer. Les gars, il restait en croissant. Ouais. Hein? Non, mais allez-y, vous pouvez le prendre, s'il vous plaît. Tant mieux, à manger. On avait oublié, en fait. Bon, allez, on y repart, parce qu'il commence à me saouler vraiment. Dites-moi, Yvan, c'est une question que j'ai un peu oublié de vous... Après, on va arrêter, parce qu'on a plus beaucoup de bobines, puis on a ce qu'il faut. Je voulais savoir, la solitude est pas trop pesante, à force. Je suis pas tout seul, là, je suis avec vous. Putain, on est... C'est bien toi, on est ensemble là. Ah non, mais vous restez un peu avec moi là. Non, on va pas tarder. Non, vas-y, on reste un petit peu là, ensemble et tout. On se fait une petite bouffe ensemble et tout, on mange ensemble. Ah, c'est bon, j'ai compris. Merci hein. Ouais, c'est cool. Merci c'est... bien. Merci. Merci. Ouais. Tu prêtes ta caméra deux secondes pour voir? Bah, justement, si c'est pas le pire, tu t'en fous. Non, mais non, on a la responsabilité. Vas-y, fais voir, je te filme un peu. Vas-y, deux secondes, regarde. C'est bon, tu montes ta micro. Ça va, il y a. Tiens, vas-y, donne. On va pas y passer l'après-midi. Prête. Tiens. Ah, vous êtes mignon. Ça filme. Je vois bien la batterie, attends, regarde. Ça filme plus, ça filme. Vas-y, c'est écrit REC, ça filme. Tu me prends pour un idiot ou pas? Non. Non. Voilà. Tu me prends pour un idiot, toi? Non. C'est un clochard. Vas-y. Reste tranquille. Reste tranquille. On a été gentil. Reste pas les coups. Reviens.